es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Parfait. Bonjour. Ondine est en ligne avec nous. Bonjour, Ondine. Bonjour. Quel joli prénom. Ouais. Bienvenue dans la quotidienne. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Eh bien, écoutez, pas mal. On est bien. On est vous en avez couru, famille. Ondine, ou vous êtes stressée? Non, c'est pas couru. Ah, oui, alors vous êtes stressée, d'accord. Ouais, non, elle rit. Oh, mais non, elle sourit. On écoute votre question pour Alain. Alors, ma question pour Alain, j'ai reçu un papyrus en cadeau il y a quelques mois, et malgré le fait qu'il soit très jeune, il est très bien exposé et assez bien arrosé, les feuilles ont tendance à beaucoup jaunir par le bout. J'aurais voulu savoir comment éviter ça et comment assurer une bonne croissance. Bonjour. Déjà, un petit détail concernant le papyrus qui est une plante qui est extraordinaire. Ah oui. C'est une plante qui vit dans les cours d'eau, en particulier dans le Nil. Mmh. Et j'adore la psychologie de cette plante. Elle produit des petites graines. Mais si les graines tombent dans l'eau, le courant va toujours emmener les graines en aval, forcément. Oui. Voilà. Donc il ne pourrait pas y avoir de plante en amont. C'est ça. Que fait-elle pour être aussi en amont? Elle remonte? Eh bien oui, les racines. Le papyrus, incroyable, dans la nature, a des racines qui remontent systématiquement en à contre-courant. La plante comme donc le saumon. Eh bien oui, et ben la plante est capable donc de sentir la direction de l'eau. Quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors justement, à propos de votre plante, trois cas de figure possibles. Un, température trop basse. Cette plante est originaire du pourtour méditerranéen. Mid-Atlantique, ça sera plus facile. Non, mais de temps en temps. Mais problème d'élocution ne signifie pas mauvaise éducation. Absolument. Rien à voir. Donc, soit un problème de lumière, des problèmes de température, problème d'humidité. J'ai le sentiment que votre papyrus baigne dans l'eau en permanence. C'est le cas, Ondine? Oui, il est souvent très arrosé. Oui, le papyrus est-il une plante aquatique? Quoi? Non. Non, semi-aquatique. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est simplement mettre régulièrement de l'eau, mais attendez que la soucoupe soit vide avant d'en rajouter. Et puis autre chose également, est-ce que votre papyrus est installé à proximité immédiate d'une source de chaleur de type radiateur? Oui, mais normalement, en été, je ne l'ai pas allumé, donc... Dans quel cas, effectivement. Ouais. Mais il le sent peut-être. Une plante. Il aura réponse à tout. Une plante capable de sentir la venue d'un courant est capable de sentir la proximité, la radiateur. L'intelligence des plantes. La méthane. Non, mais là, on a un petit problème d'humidité et peut-être d'un manque de lumière. Ouais. Parce que le papyrus a besoin de lumière. C'est une plante de pays chaud. Il a besoin de soleil. Donc, je présume qu'il est près d'une fenêtre, oui, il est près d'une mais fenêtre. Vous n'avez pas le soleil du matin au soir. Non. Le problème vient de là. Ah, bravo, il l'a trouvé. Ça y est, on l'a trouvé. Ah, déménagé. Voilà. Ouais, c'est ça. Il est difficile de garder un papyrus dans un appartement. C'est une plante délicate. Ah bon, d'accord. Voilà. Bah, tout ça pour ça, donc. Ouais. Ah, d'accord. Fais-le. Non, mais j'essaie d'expliquer. Non, mais j'aurais pu faire le savant. Rappeler que le papyrus avait fait la fortune des Égyptiens. Non, mais ça, que c'est la pas ce première qu'on ville à exploiter le papyrus c'est très était Byblos. Ouais, c'est ça. Et ça a donné le nom Bible, ouais. Bibliothèque. Ah, c'est intéressant, ça vient de là. C'est intéressant. Ben voilà, Ondine, voilà. Alors, la solution d'Alain, c'est difficile d'avoir un papyrus en appartement. Donc, c'est pas évident. Le mieux, donc, pour le papyrus, allez, on résume d'une phrase. Plein soleil, éviter la proximité d'une source de chaleur, éviter qu'il y ait trop d'eau à la base, il en faut. Bien sûr, oui, mais pas trop. Et se rappeler qu'une plante n'est pas non plus un animal domestique et que de temps en temps, avec la sécheresse de l'atmosphère, car là aussi c'est dû à la sécheresse de l'atmosphère, il est difficile d'avoir une plante en pleine forme. Bon, vous avez plusieurs axes pour faire du bien à ce papyrus, Ondine. Voilà. On espère que vous allez réussir à le sauver. Non, mais il n'est pas mort. Ah. Il va mourir, mais il n'est pas mort. Merci, Ondine. Oh, et au pire, vous le passez à Maya et s'en occupera. Oui, je vais veiller sur lui, ne vous inquiétez pas. Elle le termine. Je peux l'achever. Et rapidement. Et pour vous consoler, plantez des chrysanthèmes. Merci. Ah, une petite blague de Gérard pour finir, Ondine. Vraiment, vous êtes gâtée aujourd'hui. Voilà. On vous embrasse. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez, Ondine. À bientôt. Au revoir. Question pour toi, Mélanie d'Aline de Villiers-en-Bière. C'est en Seine-et-Marne. Je perds toujours énormément de temps à ranger mes courses quand je reviens de mon hypermarché, car je suis très désorganisée et tout est mélangé dans mes sacs. Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour que ça aille plus vite? Bon, alors le conseil de base que tout le monde peut adapter en fonction de ses moyens de consommation, mais c'est de trier tout de suite avant même d'arriver à la caisse. Je me dis ça à chaque fois. Le frais avec le frais, les légumes avec les légumes et en gros le sec avec le sec, les pâtes, les conserves, etc.
Alors, quand il y avait encore les sachets plastiques qui étaient tolérés par la loi, on pouvait essayer quand même d'avoir déjà des sortes de sachets dans, oui. dans son caddie. Ouais. C'est vrai que maintenant qu'en plus les sachets plastiques ne sont plus distribués, ouais. ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, j'ai trouvé une pour madame la solution. Le trolley bag qui vient d'arriver en France a été inventé par des amis irlandais. Oh. Enfin, des amis, des inventeurs irlandais. Ouais. Je vais vous montrer. Regardez ce que ça dit. Alors, ça valait le coup de le cacher. Qu'est-ce que beauté. C'était pour pas. Non, mais t'as raison. Il y avait un beau plateau avec des chrysanthèmes. Alors, c'est quoi en gros le trolley bag? C'est un petit sac comme ça que vous portez avec vous pour aller faire vos courses. Vous marchez comme ça. Et vous les dépliez au moment d'arriver devant votre caddie. Et vous allez pouvoir ensuite avoir quatre sacs, puisque normalement, il y en a quatre. Hein. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Il y a des sortes de baleines, des petites baguettes rigides et en fait, que vous pouvez poser sur votre caddie. Un trieur. C'est un classeur. C'est un trieur, c'est un classeur, exactement. Génial. Et donc, tu as le classeur, le soufflet avec que les fruits, par exemple. Après, tu peux faire un soufflet avec que les céréales et tous les soufflet secs, au fromage, etc. Et puis, un avec, par exemple, tout ce qui est produits ménagers. Voilà, tu les tries comme ça. Pendant ça super bien. Tu arrives à la caisse, tes sacs, en plus, tu les fais passer sur le tapis roulant, mais dans le bon ordre. Donc, à la fin de la caisse, tu les récupères aussi. Tu remets dans le même ordre. Dans le bon ordre. Ah, bien sûr. C'est réglé. Ce qui va dans la salle de bain, va dans la salle de bain. Ce qui va près du frigidaire, du frigidaire. Et ton pack d'eau, tu le mets où, là? Et le pack d'eau, tu le mets dans un des autres soufflets. D'accord, un soufflet. C'est hyper bien. C'est pack d'eau. C'est le principe du recyclage des... Trop les bagues. Non, c'est pas mal. Et ça, alors, on le trouve où, alors? Une trentaine d'euros, ça vient d'arriver en France. C'est pour les 4 sacs, 30 euros pour les 4, oui. Et ensuite, donc, c'est simple, parce que c'est vraiment porté, voilà, comme ça. Il y a de la place, quoi. C'est super bien. C'est pas mal. Ouais, voilà. On valide, on valide. J'ai connu des produits du jour moins sympas que ça. Effectivement, on te confirme. Gérard, le prochain cas pratique est pour toi. Direction La Rochette en Seine-Maritime où Simon Viguier a rencontré Pierre. Pierre se demande comment il peut sauver un château qui tombe en ruine dans sa commune. C'est pour ce bâtiment historique de La Rochette que Pierre, monsieur le maire, se bat depuis plusieurs années. En 1954, il devient propriété de l'État qui engage des travaux d'aménagement pour le transformer en centre de formation. Des travaux qui vont rapidement défigurer le château. Ça, ce sont des aménagements. Il fallait des issues de secours. Alors on a construit ces trucs rouillés là, en dépit du bon sens. On peut comprendre qu'il y avait besoin de se protéger du soleil ou de la vue ou je ne sais pas quoi. On met des rideaux en plastique dans un bâtiment classé. En 2014, l'État quitte les lieux et met en vente son château. Quelques mois plus tard, un incendie ravage toute sa toiture. Cet incendie a nécessité évidemment l'intervention des pompiers qui ont arrosé massivement, il fallait bien qu'ils éteignent l'incendie. Donc des tonnes et des tonnes d'eau ont été déversées et qui se sont infiltrées sur les planchers successifs et qui devaient être en train de pourrir. Depuis l'incendie, le château a pris des allures de chantier au désespoir de Pierre qui voit se dégrader chaque jour un peu plus ce trésor du patrimoine local. Pour le sauver de la ruine, il aimerait que sa mairie puisse le racheter. Mais il y a un problème, le prix. L'État a fixé un prix à 1,5 million. Alors, quand on sait, vu l'état dans lequel il est aujourd'hui, qu'il faut probablement entre 3 et 4 millions pour le remettre sensiblement à l'identique, on arrive à des sommes de 4 à 5 millions, qui va le racheter? Nous, on s'interroge. La commune n'a pas les moyens de racheter le château à l'État, mais pour Pierre, il est impensable de le laisser à l'abandon. Alors ma question est pour Gérard. L'État a abandonné donc ce château. La commune n'a pas les moyens de le racheter et de le remettre en état. Que puis-je faire pour le sauver? Alors Gérard, pardon, juste 2 secondes, j'ai dit que La Rochette était en Seine-Maritime. C'était bien sûr en Seine-et-Marne, excusez-moi. Tu connais bien d'ailleurs. En reconnaissant les lieux, je me suis dit en Seine-Maritime, je ne savais pas que j'étais né là-bas. Oui, non, j'ai dit. Né là-bas. Je suis né à La Rochette. À La Rochette. Ah oui. Très bien. Alors Gérard, pardon. Alors, c'est très compliqué. Il y a 36 ans. Quand l'État est propriétaire d'un bâtiment, il n'a pas le droit de le céder en dessous du prix d'évaluation des domaines. C'est-à-dire un service de l'État qui s'appelle les domaines, qui vient évaluer. Et si on vend en dessous de ce prix, ça engage la responsabilité du représentant de l'État qui signe, qui peut même se voir poursuivi devant la Cour des comptes. C'est impossible. Donc l'État ne vendra pas moins cher, même à la commune. Ce que l'État peut faire, c'est mettre à disposition la commune, moyennant un loyer symbolique, charger la commune de faire les travaux. Ça nous libère des 1,5 million de prix d'achat, ça ne nous libère pas des 3 millions de prix de travaux. Et la commune, elle a une possibilité, contrairement à n'importe quel particulier, c'est d'emprunter sur 50 ans.
Ouais. C'est pour cela que des communes font des emprunts qu'elles calibrent d'après le montant des impôts. C'est une petite commune, La Rochette, même un emprunt sur 50 ans, 3 millions, même chez les personnages célèbres qui sont nés. Quand même, ça m'étonnerait que ça rentre dans les possibilités de la commune. Et donc, on ne peut pas contraindre l'État à entretenir. Vous savez que l'État est propriétaire de centaines de bâtiments et d'églises qui sont délaissés actuellement parce qu'il n'a plus les moyens de les entretenir. Ouais. Et donc, la seule possibilité, c'est de créer une association des amis du château qui cherche du mécénat et qui finance. Mais juridiquement, on ne peut contraindre l'État ni à vendre moins cher, ni à faire les travaux. Eh bien, c'est scandaleux. Bah, donne quelque chose, alors, Fabien. Mais c'est déjà fait depuis longtemps. Ah. Enfin, moi, j'y ai vécu là-dedans, littéralement, avec mes copains. Quand on était petits, on venait en bande, s'amusant dans le château, on mettait le foutoir, on rigolait. Non, pas jusqu'à là. Mais enfin, bon, il y a eu beaucoup d'aventures là-dedans. C'est extraordinaire. C'est notre château, c'est notre vie. Ouais. Et Bambino, on était là-dedans, on cavalait partout. Bah, donne. Bah, deviens président. Quand tu donnes, de la, tu reçois. C'est écrit, c'est la loi. Je sais, mais quand même. Lui, pour donner, accroche-toi. Allez, Fabien, question de Caroline du Pré-Saint-Gervais. Est-il vrai qu'après une rupture conventionnelle de contrat de travail, l'indemnisation de Pôle emploi intervient de Pôle emploi intervient 6 mois après la date de fin de contrat? Eh bien, ça a l'air un peu compliqué comme ça, et après mes explications, vous trouvez ça très compliqué. D'accord. C'est contagieux. Déjà, ouais. Non, alors pas forcément. Pôle emploi n'indemnise pas forcément 6 mois après. Ça ne vaut que quand on a eu des indemnités de rupture de contrat supralégales. Ça vous dit quelque chose? Au-dessus de la loi. Ça veut dire que c'est sur un niveau supérieur à ce qu'accorde forcément la loi. Et qu'accorde la loi? La loi n'accorde généralement 20% de ton salaire multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise. Ça, c'est la loi supralégale, parce que, par exemple, tu as été débauché de quelque part, tu arrives chez un nouveau emploi, tu signes ton contrat et tu lui dis, non, patron, non, là, si ce qu'on vient pas dans 3 mois, 6 mois, 1 an, on s'en fout, moi, je veux 20 000 euros de plus. Hein. Ouais. C'est supralégal. Si on a ces indemnités-là, alors oui, Pôle emploi va regarder suivant une équation particulière. On prend le montant de l'indemnité supralégale, admettons 10 000 euros, on le divise par 90, c'est d'une convention. Chiffre 10 000 divisé par 90, c'est 112. Ouais. 112, c'est le nombre de jours de différé. Donc, c'est un délai de carence. C'est un délai de carence. On divise toujours par 90, ce qui veut dire que pour arriver à 180 jours, 6 mois, c'est 16 200 euros d'indemnité. On en sera au maximum de 6 mois, 180 jours. Et c'est tout. C'est tout ça, tu vois. Bah, c'était très simple. Ouais. C'est tout bête, même, j'allais dire. Alain, tu veux résumer peut-être en 3 mots? Non, ça a été... Alors, manque de lumière, moi je dirais, manque de lumière. Allez, Alain, justement, arrosage. Question d'Evelyne. Je possède 2 pots de citronnelle rapportés d'Afrique. Est-il possible de les planter et de les laisser dehors en hiver? Je ne suis même pas sûr que je vais répondre à cette question. Ah. On ne ramène pas d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie des plantes. En emmenant dans ses bagages des végétaux, on transmet quantité de maladies, d'insectes, on ne transporte pas. Mais bien sûr. Mais là, elle a l'air en bon état, tout a l'air d'aller bien. Mais on ne sait jamais. Sauf quand on n'a pas de terre dessus, attendez. Oui, mais c'est très compliqué. Laissons faire les spécialistes. Laissons faire les spécialistes. Il y a suffisamment de bestioles. La citronnelle en France, non? Alors, on en trouver peut-être 50 plantes que l'on appelle citronnelle. Celle d'Afrique, généralement, est baptisée sous un autre nom, verveine des Indes. Ah, elle est peut-être un peu exceptionnelle. Oui, non, non, simplement, c'est une plante pour répondre directement à la question et ne pas croire que je tourne autour du pot. Non. Soleil, protéger la plante en hiver du gel. Elle est, bien entendu, gélive. Sinon, pas de soins particuliers, mais j'insiste. En Corse, quand on y va dans l'avion, on nous rappelle, pas de végétaux, on ne ramène, on ne transporte d'un continent à l'autre. Tu as raison de le dire. Il y a quantité de maladies qui affectent aujourd'hui les arbres, les arbustes, les fleurs. Sans compter les insectes. Sans compter les virus, les choses. On a bien compris, mais maintenant qu'elle est là, elle la protège du gel, mais elle peut la laisser dehors quand même. Elle la laisse dehors, elle la protège du gel, elle fait en sorte de l'arroser moyennement en automne et en hiver, mais surtout plein soleil et petit tapis de feuilles pour l'hiver, c'est... Contre le froid. Très bien, merci beaucoup. Si vous aussi vous avez des cas pratiques pour tous nos spécialistes, n'hésitez pas, ça se passe sur France5.fr.